Bon. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? vu la vidéo de yaka, yaka. en fait m'a rapporté la vidéo de yaka, yaka et je suis allé voir et euh, j'ai été surpris et j'ai été euh, sidéré de ce que j'ai entendu Yaka c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et je le considère comme mon petit frère. Et si lui et moi, on est dans un mouvement, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui m'a contacté pour être dans le mouvement. C'est l'organisateur lui-même, depuis Abidjan, qui a contacté quelqu'un ici aux États-Unis pour rentrer en contact avec moi. Et finalement, nous sommes entendus, j'ai donné mon accord. Parce que j'ai vu que c'était sérieux. Et après, j'ai su qu'il y a quelqu'un faisait partie et tout ça. Et ça m'a fait plaisir. Mais à partir du moment où tu te retrouves dans un truc pareil avec hein, quelqu'un que tu estimes, que tu appelles toujours ton grand frère, et que surtout qu'après que nous deux, on ait donné notre accord pour participer à cette émission, on en a parlé, on a causé, c'est un peu lui, on a parlé. On avait des projets pour ce, pour, pour ce truc, on avait des idées pour ce truc. Donc, si tu décides de quitter, je crois qu'on devrait en parler ensemble d'abord. Tu ne peux pas te lever un coup et puis prendre une décision. Ce n'est pas sage. Ça, c'est en ce qui me concerne. Le deuxième point, c'est que, tu sais, il y a quand même fois à apprendre à respecter les gens. J'ai essayé de te contacter. Certainement que ton corps était encore chaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais certainement que quelque chose de grave a dû se passer et donc pour ça que tu as fait cette vidéo là. Mais c'est ça aussi euh, la sagesse, c'est-à-dire que on ne prend pas une décision, surtout ce genre de décision, on ne prend pas ça à chaud. Euh, tu as été impulsive dans dans ta réaction et ça ça fait pas homme il y a des choses des sujets des trucs des clashs sur lesquels on peut être impulsif ça passe mais pour un truc sérieux je crois que nous avons donné notre accord à ce monsieur à cette organisation parce que c'est vrai que c'est un monsieur mais qui a une organisation donc ses affaires sont gérées par cette organisation donc euh, lorsqu'on a même si on n'a pas encore signé de contrat mais qu'on a donné notre accord de vouloir participer on lui doit des explications avant toute chose on lui doit des explications avant toute chose tu ne peux pas te lever euh, et venir sur les réseaux sociaux d'abord sache que le monsieur ne t'a pas cette organisation ou le monsieur ne t'a pas contacté sur les réseaux sociaux il a pris ton téléphone il est rentré en contact avec toi si tu dois quitter son organisation, si tu lui reproches quelque chose ou si tu reproches quelque chose à l'organisation ou bien pour euh, si une situation est arrivée dans ta vie indépendamment de ta volonté et que pour cela ça va t'empêcher, cest à que tu es tombé malade, en tout cas il y a quelque chose qui va pas ou bien ton programme ne te permettra pas de le faire ou bien une situation familiale ne te permettra pas de faire le programme tu prends ton téléphone tu composes le numéro du monsieur, tu l'appelles et tu lui dis « Je suis désolé, j'avais voulu vraiment participer, mais pour telle, telle, telle raison, je ne pourrais plus être là. » Et vous tombez d'accord, il est informé. Et après maintenant, tu viens maintenant rassurer tes abonnés pour dire que « Désolé, mais je ne participerai plus. » En ce moment, tout le monde était déjà au courant dans son organisation. Tu n'es pas obligé d'informer les coparticipants. Mais tu as l'obligation d'informer l'organisateur, celui qui t'a contacté. Et ça, c'est... Ça a été maladroit de ta part. Très, 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 très maladroit. Ça n'a pas été sage. Yaka. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Et c'est pourquoi j'ose croire que c'est juste un buzz. Euh, Peut-être que c'est ta façon à toi de faire choses, mais bon. Mais ce que j'ai vu, pourquoi je sors? Je n'allais même pas sortir ici, je n'avais pas vu un certain nombre de choses sérieuses que tu as dit dans la vidéo. Des choses que tu as dites dans la vidéo qui m'amènent à penser que ça ne peut pas être un buzz. Tu as parlé de ta famille, de ton père. Tu as parlé d'un certain nombre. Je ne veux même pas rentrer dans le détail parce que je veux que tu sois le seul responsable de ce que tu as dit. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de ta famille dont tu as parlé tout ça. Mais tu il faut faire une vidéo rapidement pour t'excuser d'abord, un, en premier, auprès de l'organisateur. Ce que tu n'as même pas fait, tu n'as même pas mentionné cela dans ton dans ta vidéo. Tu dois t'excuser auprès de l'organisateur et tu dois prendre contact immédiatement avec l'organisateur pour essayer de discuter. Parce que moi et l'organisateur, depuis aujourd'hui, depuis matin après ta vidéo, lorsque nous avons eu connaissance de cela, c'est moi qui ai informé l'organisateur. Parce qu'il ne t'est même pas au courant. Je l'ai informé, il a essayé de te contacter, j'ai essayé de te contacter, il a essayé d'appeler aussi d'autres personnes pour essayer de te contacter. Ton téléphone non, ne répondait pas. Et finalement, j'étais même en contact avec l'organisateur lorsque j'ai reçu ton message disant que, que tu es en réunion de travail avec tes boss et que tu me reviens après ça. C'est-à-dire que depuis le matin jusqu'à le soir, la fin d'après-midi, je faisais ma sieste lorsque j'ai manqué ton appel. cest que tu as appelé à 17h, 18h, moi j'ai rappelé, je crois que c'est ça. Je ne connais pas que je monte. Je vais bien voir les heures. Voilà. Euh, tu m'as manqué à 17h. Voilà. Et moi, je t'ai appelé à 18h37. Tu m'as manqué à 17h14. je t'ai appelé à 18h37. C'est-à-dire qu'il y a exactement une heure après. Une heure après, je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché. Et jusqu'à présent, tu n'as pas rappelé. J'ai essayé de t'appeler encore à 20h. Après t'avoir appelé à 18h, je t'ai appelé encore deux heures plus tard. Tu n'as pas décroché. C'est un moment que tu es occupé, tu es fatigué peut-être. Peut-être que tu dors, peut-être que tu n'as pas envie de parler en ce moment. Je comprends. Mais tu as eu une mauvaise démarche. Tu as eu une très 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 mauvaise démarche. Ce n'est pas la démarche à avoir. Ce n'est pas des façons, des manières de faire. Ce n'est pas des façons, ce n'est pas des manières de faire. Ce que je veux te dire, c'est quoi Quels que soient les problèmes que tu auras eu avec une tierce personne, en dehors ou même dans l'organisation, mais qui n'est pas la faute de l'organisateur ou du groupe qui organise, ça ne peut pas t'amener à... Moi, par exemple, moi, je m'en fous. Quels que soient les participants, quels que soient leurs hémorroïdes, quels que soient ce qu'ils veulent faire, moi, je m'en fous de Tant que le fonctionnement de l'organisateur ou de l'organisation n'est pas dysfonctionnel, moi je vais participer. Tant que moi je n'ai pas un empêchement par rapport à mon boulot, par rapport à des obligations familiales, je vais participer. Et c'est ça, un homme. Rien ne peut t'empêcher de participer si ce n'est que par la faute de l'organisateur ou de l'organisation. Rien ne peut t'empêcher de participer si ce n'est que par la faute du fait que tu as des obligations de famille, des obligations de travail qui vont t'empêcher de participer à l'émission ou bien à cette télé-réalité. Voilà les choses, par exemple soit maladie, soit ton parent est malade, tu dois forcément y être. Soit il y a eu, je touche du bois, soit il y a eu mort d'homme dans ta famille, tu dois forcément être là, voilà. ou bien ton travail, on te retient. Voilà, voilà des choses qui peuvent t'empêcher de respecter un contrat moral. Parce que c'est un engagement moral, cette convention, ce pré-contrat que tu as signé avec l'organisateur, c'est un engagement moral qui t'engage à respecter cela. Et si tu dois faire chose. Même appeler simplement ne suffit pas. Tu dois lui faire une lettre. Normalement, je ne sais pas comment. Parce que moi, je sais qu'un truc que moi, j'ai signé avec lui, ce n'est pas ce que vous avez signé là-bas. Mais le jour où moi, je décide, par exemple, malgré que j'ai son numéro, même si je l'appelais pour lui dire, euh, voilà, pour telle, telle, telle raison, je ne peux pas faire chose, je vais le confirmer par écrit. Je vais lui envoyer une lettre. Pour qu'il puisse prendre cette lettre et mettre ça dans son dossier. C'est comme ça que les choses se font. Je ne peux pas simplement me lever pour dire, ok, je ne participe plus. Et puis, je viens sur les réseaux sociaux, je fais l'annonce. Comme si c'est tes followers sur les réseaux sociaux qui t'avaient demandé d'aller d'aller participer. Ce ne sont pas tes followers qui t'ont demandé. Tes followers n'ont rien à voir dans l'engagement que tu as pris. Tu n'es pas venu demander la permission à tes followers avant de t'engager. Tu les as informés après t'être engagé. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas venir parler. En fait, c'est pourquoi je crois que ça doit être un buzz. Mais si c'est un buzz, tu ne peux pas refuser de décrocher le téléphone de celui qui organise après tes déclarations graves. Si c'est un buzz, tu ne peux pas refuser de me prendre au téléphone, moi qui suis considéré comme ton grand frère et ton ami en même temps. Tu ne peux pas. C'est du buzz. Généralement, le buzz, c'est un truc même qui peut s'arranger. C'est-à-dire que nous, on doit être informé, puis tu fais le buzz. On doit être informé, puis tu fais le buzz. Et puis même, nous-mêmes, on peut soutenir encore le buzz. Pour appuyer encore sur le buzz. Mais ce que tu as fait, ce n'est rien d'un buzz. Et tu le sais. Mais moi, je veux croire que c'est un buzz. Je veux croire parce que c'est la seule chose qui peut me conforter. Tu n'as pas été sage, d'accord Parce que je prends juste des exemples. Si tu as un problème avec Aya, vous gérez vos problèmes comme tu l'as toujours géré. Si tu as un problème avec une tierce personne, vous gérez vos problèmes comme tu l'as toujours fait. Émission ou pas, télé-réalité ou pas, tu as toujours eu des problèmes ici avec des gens que tu as toujours géré en grande personne. Et sache que après, pendant et après télé-réalité, tu auras toujours des discussions, tu auras toujours des malentendus avec des gens. Si tu dis que tu ne veux plus faire télé-réalité parce que ça va te donner stress, mais mon frère, ou bien parce que ça va te donner blog pressure. cest à dire que tension, mon frère, je crois qu'il vaut mieux dire bye bye aux gens de blogging que tu as choisi de faire. Bah, tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux Yaka Yaka et puis dire que tu ne veux pas avoir tension. Mm -mm. Sache qu'il y a des gens qui t'ont attaqué sur les réseaux sociaux aussi. Et puis il y a des gens que toi aussi tu as malmené sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont pardonné et il y a des gens qui n'ont pas encore pardonné. Et tu ne peux pas contrôler le cœur ni l'esprit des gens. Donc ce n'est pas parce que toi tu as arrêté de manquer du respect aux gens que tu vas croire que les gens vont arrêter de te manquer du respect. C'est toi qui as décidé de ne plus manquer du respect aux gens. C'est toi qui as décidé d'être sage mais laisse la latitude aux gens de choisir quand est-ce qu'ils seront prêts à te pardonner et à ne plus t'attaquer. Donc, il ne faut pas croire que le fait que tu, tu, tu refuses de participer à la télé-réalité, ça va faire que personne ne va t'attaquer désormais. Même Jésus, il n'a jamais giflé quelqu'un, il avait des ennemis. Mahomet n'était pas un bagarreur, mais il avait des ennemis. C'est pour te dire quoi C'est pour te dire que, quel que soit ce que tu feras, tu auras toujours des gens qui vont te provoquer. Des gens qui vont faire manquer ta tension et qui vont faire monter ta tension, des gens qui vont t'insulter, ça va toujours exister. Tant que tu vis sur cette terre, tu seras confronté à cela. Donc, rien ne pourra empêcher cela. Surtout que tu es un blogueur et tu es venu sur les réseaux sociaux, on te connaît comme mal même chose comme moi. On te connaît comme mal et tu es un gars qui est suivi sur les réseaux sociaux. Donc sache que forcément, des gens vont vouloir profiter de cela. Des gens vont forcément vouloir profiter de cela. Donc les gens vont vouloir forcément. Te clasher. Tes anciens ennemis vont vouloir forcément te déstabiliser. Et il y a même des gens, même à qui tu n'as jamais rien fait, mais vont vouloir forcément te clasher pour se faire un nom. Il faut compter avec tout ça. Il faut être plus intelligent que ça. Quand tu dis on est dans moi de carême, il y a qu'un Sage, les animateurs qui sont à la télévision, vous pensez que vous êtes les seuls musulmans, c'est quel bon musulman même vous êtes? Les animateurs qui sont à la télévision, ils font leurs émissions, ils continuent de vivre. Est-ce que ça les empêche d'être musulmans? Tu fais ton métier, tu fais ton métier. Est-ce que ça t'empêche d'être musulman? Yaka, Yaka a choisi quelque chose. Est-ce que c'est le premier carême? Ça fait combien d'années Yaka Yaka est sur les réseaux sociaux? Yaka, Yaka, une fois dit que, ok, mais c'est ce qui serait mieux. C'est que vous les blogueurs musulmans là, dans ce cas, quand on dit moi de carême, là, fermez votre blog. N'apparaissez même pas, même poste, même ne faites pas. Carême là, c'est un mois. Carême là, c'est un mois seulement. Ça ne va pas vous tuer. Vous fermez votre blog là, pendant les un mois là, après le mois là, puis vous reprenez. Vous évitez même Facebook, même. Parce que quand tu vas aller sur Facebook, les gens vont insulter quelqu'un, tu vas rire. Ça aussi, c'est péché. Ça là, c'est péché. Quand ils vont insulter quelqu'un, puis tu vas rire, là. Et puis tu vois, ils vont dire quelque chose. En tout cas, tu vas voir quelque chose sur le, les réseaux sociaux. Ton cœur sera d'accord ou bien ton cœur ne sera pas d'accord. Tu vas prendre péché. Donc, carrément, pendant un mois de carême là, éloigne-toi de tout ça là. Mais carrément, il reste une semaine pour que ça finisse. C'est maintenant Yaka Yaka va prendre décision pour dire que non, qu'il ne fait plus quoi. Et puis ça a changé quoi Il reste une semaine là. Ça a changé quoi C'est la première fois que Yaka Yaka fait des choses comme des carèmes dans le blogging. L'année passée, il a fait quoi il était blogueur l'année passée. Il y avait Karim l'année passée. Est-ce qu'il avait L'année passée, Il était où Arrêtez ça. Que oh non, il est musulman. Il a pris une bonne décision. Toi-même qui es connecté là, tu n'es pas musulman. Toi-même qui es connecté là. Tu es sur Facebook, non Sur Facebook, là, il y a tout, non C'est comme dans le monde. Il y a quand musulman. Mais il est dans le bus, non Bus, là, il y a des filles. Bientôt, c'est l'été. Il y a des filles qui portent mini. Elles et quatre comme ça. D'ailleurs, elles n'ont pas porté slip. Quand il regarde dans son rétroviseur, il voit derrière lui avant. Il y a des gens, il est cheveux de buson. Quand les gens vont venir, ils vont l'insulter, ils vont lui manquer de respect dans le bus. Il va faire comment? Donc comme c'est moi qui carême là, il ne faut plus aller au travail alors. Ce que toi tu ne sais pas, ce que toi tu ne sais pas, c'est que Yaka Yaka doit vivre. Carême ou pas, il doit vivre. Voilà. Le politicien là, les politiciens que vous voyez là, il y a beaucoup qui sont musulmans dedans, non? Mais ils continuent de mentir au peuple, non? Ils continuent de voler l'argent du peuple, non? Vrai ou faux? Les gens qui font théâtre là, il y a beaucoup de musulmans dedans, non? Mais ils jouent leur comédie et puis ils se moquent des gens, non? Arrêtez ça. La décision n'est pas sage. On te dit qu'il a manqué sa parole. Et puis tu me dis que sa décision est sage. Il a manqué son engagement, son obligation. Il a humilié et il a stressé l'homme qu'il a respecté, l'organisateur du spectacle. Quelqu'un t'a donné du respect, de la considération. Il t'associe à son événement, tu donnes ton accord. Et il apprend comme ça. Sur les réseaux sociaux que tu as décidé de ne plus participer sans toutefois l'avoir appelé, sans toutefois en avoir parlé avec lui. Tu trouves ça respectueux? Est-ce que tu trouves ça bien? Et puis tu dis que non, que. Depuis quand musulman de quoi, l'islam empêche quelqu'un de travailler. Depuis quand? L'islam empêche quelqu'un de travailler. Que non, il est musulman, c'est une bonne décision. Il est le seul musulman au monde. Chacun gère sa foi à sa façon. Et la façon la plus indiquée pour ne pas pécher pendant le mois de Ramadan, ce n'est ne même pas venir sur Facebook et ne même pas sortir de chez soi. Parce que quand tu sors dans les rues même là, tu vas voir les filles en mini. Tu vas voir les filles en mini. Ça aussi c'est péché. On t'a pas dit ça dans l'islam. Il faut regarder bien dans le courant. Tu vas voir cette partie là dedans. Quand tu sors et puis tu vois les filles, là, leurs seins sont pointus comme ça, et puis tu rien quoi Et puis ton corps va ailleurs. C'est péché. Quand tu vois les filles là, dans les plaquets, là, et puis leurs fesses se remuent comme ça, et puis tu as autre, tête, autre chose en tête là, c'est péché. Donc, ça veut dire que la meilleure façon de réussir son, son jeune en tant que musulman, c'est qu'elle ne sort pas, reste dans une pièce pendant un mois jusqu'à ce que Karim la finisse. Quand tu sors, tu es plus. Tu ne vas pas sur Facebook, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux, rien. Là, tu vas vraiment réussir un jeune propre. Petit frère, tu as déconné. Donc, je voudrais que tu prennes rendez-vous rapidement avec le promoteur de ce spectacle-là. Et puis, vous allez vous expliquer tu vas lui donner tes raisons. Et puis, vous allez vous entendre sur un point. Et puis après ça, tu pourras faire ce que tu veux. Voilà. Moi, tu ne veux pas me parler, tu ne veux pas. Voilà, donc voilà. Ce n'est pas grave. C'est pas grave, tu as tes raisons. Peut-être que tu ne veux pas me parler pour le respect que tu as pour moi, tu ne veux pas que je t'amène à changer de, de, de décision. Et pourtant, c'est toujours bien de raisonner les gens, parce qu'on n'a jamais toute la vérité. Et puis généralement, quand on est en colère, on ne voit pas toujours ce que les autres voient. Parce que la colère rend aveugle. La colère, ça rend aveugle. Ça t'empêche de voir ce que... Euh, ça t'empêche de voir la sagesse souvent. C'est pourquoi, généralement, quand tu es en colère, il ne faut pas prendre une décision à chaud. Laisse passer un peu de temps. 24 h 48 heures, tu réfléchis bien, tu calmes. Même si après 48 heures, tu n'es pas encore bien calmé, il faut ajouter encore des jours encore. Que tu sois vraiment bien calme avant de prendre ta décision. Tu as pris cette décision à chaud et cette décision, elle ne tourne pas pour l'homme que je connais. Et c'est une mauvaise décision en plus. Une très mauvaise décision.

Je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui me dit que quelqu'un d'autre avait déjà dit qu'elle qu n'est pas pas. Et pourquoi c'est pour, pour Yaka Yaka? Ah, pourquoi je n'ai pas parlé de ça avant? Vous savez, je parle de celui qui m'intéresse. La personne pour qui j'ai de la considération, du respect et de l'amitié, la fraternité. C'est à cette personne que je... C'est pour la personne qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Le reste, je m'en fous éperdument. Même si tout le monde quitte et que... Il y a Yaka, Yaka, et puis il y a ma petite Aya, la moi, ça me suffit. Parce que c'est les deux que moi, je connais. Le reste, je m'en fous. Les autres, je ne les connais pas. Mais même s'il y a des milliers de personnes dedans, que Yaka Yaka n'est pas dedans, que Aya n'est pas dedans, ça me dérange un peu. C'est vrai que ça ne peut pas m'empêcher de continuer. Mais je dis que ça me dérange un peu parce que j'aurais voulu vraiment m'amuser avec eux. C'est que eux et moi, on ne s'est jamais vu en vrai. Ça être vraiment l'occasion non seulement de se voir en vrai, et puis en même temps de, de s'amuser vraiment quoi, comme des gamins. C'est tout. Voilà. Sur le reste, moi, je m'en fous je m'en fous ben du moins quoi voilà je, je, quoi. celui qui veut il quitte celui qui veut il reste voilà moi je suis pas l'organisateur. ça n'est pas mes oignons n'est pas mon problème Ce n'est pas moi de dire à quelqu'un de rester ou de partir voilà je suis juste désolé par rapport à ce que la décision que en fait la décision que Yaka -Yaka vient de prendre sans me consulter et sans avoir dit puisque je ne veux pas au fait qu'on le prenne pour un faux ce que vous devez savoir je ne veux pas que l'organisation pense que l'organisateur pense qu'il a eu tort de le considérer et de lui donner du respect. Parce que je dis qu'il faut faire les choses dans, dans, dans les règles de l'art. ce qu'on appelle, moi je le connais en tant qu'un garçon respectueux. Et cette fois-ci, il n'a pas été respectueux. Je veux comprendre pourquoi. C'est tout. Il devait quand même en discuter avec l'organisateur. Ça, c'est la moindre des choses. Quel que soit, et puis voilà. Euh, bref. Mais il a mal agi. C'est ce que je veux vous faire comprendre. la a mal agi. Je vois des gens qui disent c'est sa décision. Point ça. Je, je veux comprendre une chose. Euh, vous qui voulez que ce soit comme ça, qui ne participe pas. En fait, je comprends. C'est sa décision. Point ça. Qu'est-ce qui se passe exactement Parce que je comprends pas. Apparemment, vous savez des choses que moi je ne sais pas. Apparemment, il y a des choses que vous savez que moi je ne sais pas. Donc, je veux savoir ce qui se passe réellement. C'est sa décision, c'est sa décision. Quel est votre gain? En fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il gagne en prenant cette décision? Je comprends pas. Je vais te dire une chose. Dans leur Libia, ils sont six. Dans leur Libia, là. Libia ou Libia, c'est, sais pas comment ça s'appelle. Ils sont six. Parmi les six, là. Il y a celui qui a hémorroïde, là. Il y a Doumbia, Mariam Doumbia. Il y a chose, comment dire, genre, euh, Mariam Doumbia, elle couche avec celui qui a hémorroïdes là, donc les deux, déjà, ça fait un boy. Donc les deux, déjà, ça fait un couple qui vient. Il y a euh, Makoté et sa sœur, ça fait déjà une famille aussi. Et puis maintenant, il y a Yaka, Yaka et Aya, qui ils sont aussi une famille. Donc, ils sont très collés. donc ils sont, Voilà comment ils sont dans leur Libye. Ils sont six. Moi, je viens des États-Unis seul. Je ne suis pas dans un groupe. Et eux tous, personne ne m'a jamais vu de vrai. Et je n'ai jamais vu personne de vrai. Mais je pars des États-Unis pour participer à cela. Vous comprenez, non? Maintenant, pas à cela, maintenant. Il y a dans le deuxième groupe de Vaurien, là. Il y a Petit Rino. Et puis, il y a Edanté là. Donc, il y a les deux qui viendront. Et puis, on me dit, il y a l'autre, là, c'est qui ressemble à pigeon, là. On dirait poulet plumé, là. On dirait une chose, pentate plumé, là. Il y a elle. Donc, vous voyez un peu, non Mais tout je il que vous êtes tous à Paris, là-bas. Vous êtes tous en France, là-bas, vous, vous connaissez. Moi, je viens seul des États-Unis. Vous comprenez, non Donc, ça veut dire que quoi Si dans votre Libya, là-bas, là. ou bien Libanais, ou bien, je ne sais pas, Libou, là-bas, là. dans votre Libya, là-bas, là, si vous avez des problèmes sérieux à gérer là-bas, gérez vos problèmes. Ne mélangez, ne mêlez pas ça à l'organisation. Ne mêlez pas ça à la télé réalité. Gérez vos problèmes comme vous les avez toujours Ce C'est pas la première fois que vous avez des problèmes dans votre Libye là. Bien, c'est pas c'est Libye, en tout cas, en Libye là-bas là, dans votre Khartoum là-bas de, je sais pas ce que vous faites là-bas. Gérez vos problèmes en Libye là-bas avant de venir ici. Vous avez toujours eu vos problèmes là-bas, vous les avez toujours gérés. Vous avez toujours eu vos problèmes là bas vous ne les avez jamais mélangé à chose donc aujourd'hui là si vous devez participer à une télé réalité elle n'est pas, elle pas euh, gestionnaire de vos problèmes à libya si yaka yaka a des problèmes avec aya ça peut pas ça peut pas avoir des conséquences ça devrait pas avoir des conséquences sur la télé réalité parce que les deux là c'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes si Yaka Yaka a des problèmes avec Pigeon là, pigeon plumeux là, ça ne devrait pas avoir des conséquences sur la télé-réalité. Parce que c'est pas la première fois. Avant télé-réalité, après télé-réalité, ils, ils ont toujours eu leurs problèmes. Si Yaka Yaka a des soucis, euh, qu'il a, il a des remords par rapport à ce qui s'est passé avant entre lui et choses, comment dire, genre, et ce, cette chose qui est en, en état de putréfaction là. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il a reconnu que c'est sa soeur et qu'il veut boire son odeur. Ça, ça n'a rien à voir avec euh, la télé-réalité. Ça, c'est son problème. Vous comprenez, non? Ça, c'est son problème. Si Yaka Yaka a des problèmes avec euh, Evidero, euh, ça, c'est son problème. Vous comprenez, non? Je veux, je veux dire, faisons la part des choses, quoi. Faisons la part des choses. Ne mélangez pas vos vies de blogueurs ou vos vies personnelles à cette télé-réalité-là. En je veux bien mettre ça en parce que moi je ne suis pas payé, voilà. Mais je vais mettre ça en à supposer que je sois payé. Donc, on nous a appelé pour un emploi. On nous engage pour un emploi, comme pour participer à un film, une télé-réalité, c'est comme pour participer, jouer des rôles. C'est un emploi. Donc, on nous, a, on nous a proposé des contrats de travail. Donc, vos villes, ça n'a rien à voir. Chacun prend son engagement. Parce que vous n'avez pas signé autant au nom de Libye. L'autre Lib 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 n'a pas signé au nom de Pentade ou Pigeon. D'autres n'ont pas signé au nom de... Et Des choses comme des gens. Au nom de des voilà euh, Voilà. Chacun a signé avec son propre nom. Pas au nom d'un groupe. Donc vous avez vos problèmes, vous gérez ça entre vous. Vous comprenez, vous avez vos problèmes, vous gérez ça entre vous. Ne mêlez pas les choses. Donc rien, je dis bien rien, ne doit mener Yaka, Yaka à dire que non. Non, moi je ne participe plus euh, au truc. À moins que il ait constaté une faute de la part de l'organisation qui a eu un manquement, dans ce cas, il a le droit. Mais je suis son grand frère. Et Dieu merci, nous nous retrouvons dans un groupe. Il a le devoir de m'en parler pour demander mon avis. Il n'est pas obligé, je dis bien le devoir. Ce n'est pas une obligation, mais il a le devoir. Vous comprenez, non C'est un devoir et non une obligation. Il devrait m'en parler pour dire, ah voici ce que l'organisation m'a fait, tout et tout. Je peux lui donner quelques idées ou bien je vais moi-même essayer d'en savoir un peu plus. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il ne m'a pas respecté. Pourtant, c'est un garçon que je connais très poli. Et puis, il allait raconter pas mal de choses. Ce, ce, ce matin, il a dit trop de choses. Trop de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il a dit trop de choses. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce que moi, j'ai compris, j'ai compris que mon petit frère en souffrir dans son âme en ce moment. Quelque chose l'a blessé, quelque chose le tourmente, quelque chose le fait souffrir. Il se sent coupable de quelque chose. Ou alors il croit qu'il a été maltraité, croit qu'il n'a pas été traité à sa juste valeur quelque part. En tout cas, il y a quelque chose de, qui ne va pas avec sa conscience. Il souffre dans la tête en ce moment et dans sa peau. Mais quelle que soit la souffrance qu'il traverse en ce moment, quelque soit, il peut se confier à quelqu'un d'un peu plus sage. Confie-toi, ça fait du bien. Confie-toi, ça fait du bien. Tu vois. Euh, tu sais, Yaka, tant qu'on sera sur les réseaux sociaux, les gens vont nous décevoir toujours. C'est pourquoi je t'ai dit, Yakayaka. Yaka, je t'ai dit. L'amitié sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. L'amitié sur les réseaux sociaux. Vous êtes trop pressé de dire c'est mon ami, c'est mon temps. Moi, je prends mon temps et puis j'observe. Depuis que toi, je t'ai dit que tu es mon petit, ça fait combien d'années Ça fait des années, non J'ai pris mon temps. Mais avant de le dire, ça, c'est je l'ai dit seulement. J'ai commencé à le dire depuis l'année passée. Mais pourtant, avant ça, toi et moi, on était en contact depuis. Mais tu m'écoutais toujours respectueux, toujours à l'écoute. Donc, je t'observais pour voir si tu étais un peu comme les autres. Et j'ai vu que tu n'étais pas comme les autres. Il y a des moments je suis sorti et puis je t'ai lancé des pics. Tu n'as jamais répondu. J'ai vu que tu étais un garçon bien. Ça n'a pas été le cas de Aya. C'est pourquoi Aya, je cause de moins en moins avec elle. Et pourtant, je l'apprécie aussi. Mais je cause de moins en moins avec elle. La seule personne qui peut m'appeler directement et puis prendre le téléphone tout de suite, c'est toi. Mais est-ce que tu peux dire autant des gens, des autres Est-ce que tu as confiance en 100% de tous ceux avec qui tu es Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je vais te dire juste de te méfier de l'amitié sur les réseaux sociaux. Parce que par moi, tu peux avoir l'impression d'avoir vraiment donné beaucoup plus que tout le monde. Et qu'en fait, en réalité, tu n'as rien eu. Mais sache que pas, tu ne seras pas le seul à avoir cette impression. Pratiquement tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont cette impression de donner beaucoup plus en amitié que tout le monde. Ils ont tous l'impression de donner beaucoup plus en amitié que tout le monde. Mais je vais te dire, mon frère, libère-toi, fais-toi un vide dans la tête. Et fais comme si tu étais seul. Je te dis que le jour où tu vas commencer à aimer tout le monde, à apprécier tout le monde, à parler à tout le monde sans prétention, sans te dire forcément que lui, il est mon ami, lui, il est mon temps, c'est ce jour-là que tu vas commencer à être heureux sur les réseaux sociaux. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Je cause avec ceux avec qui je pense que euh, que je peux causer, ceux à qui je pense que je peux donner leur chance. Je cause avec eux sans me faire trop d'idées. ça me dit forcément que à ah, telle personne c'est mon gars. Ou bien telle fille c'est ma... Non, c'est ma petite-sue. Pour moi, la seule personne en qui j'ai vraiment confiance, c'est moi-même. À part ça, je n'ai confiance en personne. Mmh. Les autres, je les observe. Les autres, je les observe. La façon ça vient, c'est comme ça, il prend ça. Tant que tu ne m'as pas encore trahi, tu as ma confiance. Dès que tu m'as trahi, je suis, déjà, je suis déjà loin. Tant que tu ne m'as pas trahi, tu as ma confiance. Et dans cette confiance-là aussi, je fais tout pour ne pas me mettre dans une position où je te serai redevable, Ou dans une position où tu auras le pouvoir sur moi. Que je ne peux pas te dire quelque chose que je ne pourrais pas répéter ouvertement. C'est comme ça. Si je cause avec quelqu'un ici, il n'y a rien que je puisse dire. C'est pourquoi tu verras que personne n'a quoi que. C'est pourquoi je parle toujours ce que je veux quand je veux, comme je veux. Je dis toujours ce que je veux quand je veux, comme je veux. Parce que il n'y a rien que je dis à quelqu'un que je ne puisse pas répéter publiquement. Parce que je ne veux pas être tenu par quelqu'un. Parce que tu vois, tous ceux qui parlent en Nimbos, qui aiment critiquer les gens en Nimbos, c'est-à-dire que moi, je suis à Yaka Yaka, je m'avais dit à, à Mati Dola, par exemple. Réa, yaka Yaka, regarde sa grosse tête, là. Oh, regarde yaka, yaka Son riz même n'est même pas joli. Voilà. Et puis après, maintenant, ça, c'est des choses que je ne peux pas dire ouvertement, mais j'ai dit à Mati Dola. Donc, désormais, je suis redevable à Mati Dola parce que je crains que Mati Dola aille dire la même chose à Yakayaka. Yaka. Ou bien, je crains que Mati Dola m'ait enregistré pour aller dire des choses à Yaka Yaka. Voilà. Après, demain, je vais m'arrêter ici. Je vais critiquer Aya Robert. Je vais dire les choses à, à Yaka Yaka. Comment Aya Robert est mauvaise, comment elle est ceci, comment elle est cela. Maintenant, j'ai peur que, Aya, que Yaka Yaka m'ait enregistré pour... Donc, les gens ne sont plus libres finalement. Et ça fait qu'ils sont, ils sont là, ils sont aux aguets, ils ont peur de tout. Même quand, quand ils voient un poste en parabole, ils pensent que c'est de lui, on parle, parce que ce n'est pas le poste même qui le dérange, mais parce qu'il c'est ce qu'il a dit. Et ça crée trop d'histoires entre vous là-bas. Moi je suis à l'aise. Quelqu'un fait au. il ne fait pas au. je m'en fous parce que de, je sais qu'il n'est rien confié à quelqu'un qui puisse déranger, que je ne puisse pas dire ouvertement. Donc, quelqu'un va parler en parabole sur sa page, ça c'est son problème. Je sais que tu as beau écrire tes paraboles sur ta, sur ta page, ça ne sera jamais moi. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais parler de moi parce qu'il n'y a rien que tu puisses dire sur moi. Tu comprends, hein? Voilà comment on commence à être heureux, comment on commence à être vivre à l'aise, quoi, sans souci, et puis on dort bien. Donc, ça, c'est déjà ça. C'est sur ça que vous devez travailler. Ne prends personne pour ennemi sur les réseaux sociaux. Et ne prends personne pour ami sur les réseaux sociaux. Choisis simplement des gens en qui tu peux avoir confiance. Mais quand je dis confiance, une confiance contrôlée. Ne t'expose pas trop. Il y a ce que tu peux dire. Si tu es sûr de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, faut lui dire ce que tu peux répéter ouvertement. Ne lui dis jamais quelque chose que tu voudrais que ça soit secret. Parce que si tu lui dis quelque chose que tu voudrais que ce soit secret, c'est qui tient secret de toi. Et quelqu'un qui tient un secret de toi tient ta vie. Ah, sache-le. Tu es prisonnier de la personne. Tu es prisonnier de la personne. Alors, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ah. Ben, vous allez apprendre tout ça, je vous dis euh, simplement, parce que vous ne savez pas. Parce que je vous ai dit ça comme ça, mais ben vous ne savez même pas comment je contrôle mes émotions et puis mes, mes sentiments. Comment moi-même j'arrive à, à travailler, à faire un travail sur moi-même C'est trop long à expliquer, mais c'est des choses que vous allez découvrir vous-même. Et j'espère que vous allez faire votre propre expérience. Trop compliqué à expliquer. Parce que vous le dites simplement, ça paraît très simple. Mais il y a un travail même que je fais sur moi. Il y a des choses même souvent, j'ai envie, envie de dire, j'ai envie de balancer. Mais je fais un travail sur moi-même. Je ne pourrais même pas que ça arrive. Je ne pourrais même pas que ça arrive. Et souvent, tu causes avec quelqu'un qui dit quelque chose et puis tu as envie de dire quelque chose en retour. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne te ressaisis pas à temps, tu vas dire quelque chose qui va te mettre dans une cage. C'est-à-dire que tu as envie de parler, tu es en train de parler avec Y, qui est en train de te parler de quelqu'un d'autre. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire ce qu'il ne fallait pas et ça va te mettre tout de suite dans la cage. Donc déjà, il t'a pris dans un piège et il pourra plus te lâcher. Et ça, il faut travailler sur toi-même. Il faut avoir l'amour de tout le monde. Ou alors, euh, il faut juste, même si tu n'as pas l'amour de tout le monde, moi euh, ce n'est pas forcément par amour pour d'autres personnes, mais euh, c'est que je me libère la tête, c'est tout. Je me dis que je n'ai pas d'ennemis. Et puis voilà. Donc euh, tant que je me considère, quand, tant que je considère que je n'ai pas d'ennemis, donc euh, je ne vois pas pourquoi je vais critiquer les gens. Je vais parler de telle personne, je me dis que pff, moi, je ne suis pas ton ennemi, donc je me donne le droit de t'appeler et puis de te dire ce que je pense. Je te dis ce que je pense, mais ça ne fait pas de toi mon ennemi. Voilà comment je mange, je vais prends les choses. Voilà. Ça C'est dire que lorsque des gens lorsque les gens deviennent fumistes, lorsqu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, Mais une fois que tu es libre dans ta tête et que tu te dis, ben, moi, je peux te dire ce que je pense. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que je suis en train de te manquer de respect, mais je te dis ce que je pense. À Paris, ce moment-ci, moi je pense que je peux te dire ce que je pense, je n'ai pas besoin d'aller raconter ça à quelqu'un d'autre. Tu m'as fait quelque chose, je te dis directement et puis il m'assoit. Voilà. Tu vas te fâcher, tu as fait chose, mais bon, voilà, c'est toi qui vois, quoi. Moi, je te dis déjà ce que je pense. Mais c'est quand tu, es, tu as peur de dire ce que tu penses aux gens, qu'après tu t'en vas raconter à côté là-bas, à telle personne, tu vois, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis après ça, 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 ça a revenu sur toi encore un autre jour. Peut-être un an plus tard, peut-être quelques mois plus tard. Non, je ne suis pas comme ça. Il faut être vrai, quoi. J'essaie d'être vrai. Je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts. Mais j'espère que j'aurai le temps d'éliminer plein de défauts avant de mourir. Parce que plus mon âge avance, plus il y a des choses que je travaille. Je travaille sur beaucoup de choses pour. Euh, pas pour être forcément parfait. Si je peux, je, je serais heureux d'être parfait avant ma mort. Mais pas forcément pour être parfait, mais pour euh, essayer d'être moi-même, essayer d'être libre dans ma tête. Parce que le premier poison, c'est ce que tu penses avant de dormir. Voilà, ta conscience. C'est ça ton premier poison. C'est ça qui va te nuire. Quand tu dors et qu'avant de dormir, tu penses que tout le monde t'en veut, que tout le monde te veut du mal, ça te torture. Quand tu dors puis tu sais que tu as fait sciemment du mal aux gens, et puis ça te torture, ça c'est déjà l'enfer que tu es en train de vivre. Voilà. Bon, si c'est moi, je pense j'ai dit ce que, suffisamment ce que je voulais, ce que je pensais de Yaka Yaka. Ok. Euh, J'espère qu'il prendra contact rapidement avec le, le comité organisateur ou l'organisateur lui-même. Voilà. Et que bon, ils, ils, vont, ils vont régler ça. Maintenant, s'il veut, bon. Il m'appelle, s'il pense qu'il il peut parler. Il m'appelle, je suis ouvert. S'il si pense que ce n'est pas encore le moment de, de parler, ok. Il n'y a pas de problème, je le comprends. Voilà. Quand il sera prêt à parler, il va m'appeler, puis on va parler. Si c'est si, pour bien. Ciao.